Vous venez donc de vous inscrire en tant que représentant indépendant QNET. Je parie que vous êtes impatient de commencer et que vous avez probablement des questions auxquelles vous avez besoin de réponses. Que vous ayez récemment rejoint ou que vous soyez simplement curieux de savoir en quoi consiste QNET, vous n'êtes pas seul. Commençons par les 5 principales choses que vous devez savoir avant de rejoindre QNET. Numéro 1, une expérience de vente est-elle nécessaire ? Si vous êtes sur le point de devenir distributeur QNET, il y a de fortes chances que vous ayez un esprit d'entrepreneur. Trouvez un produit ou un service que vous aimez. Beaucoup de nos distributeurs les plus prospères n'avaient aucune expérience de vente au préalable. Mais lorsque vous croyez vraiment en les produits que vous essayez de vendre, votre passion vous emmènera plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Numéro 2. Combien pouvez-vous gagner ? Rien ne se passe du jour au lendemain. Comme tout le reste, il faut du temps et des efforts pour développer votre activité de vente directe QNET. Vous pouvez le faire à temps plein ou à temps partiel. De toute façon, soyez patient, suivez la formation fournie par l'entreprise et vos supérieurs et profitez du voyage. Numéro 3. Quand pouvez-vous commencer à gagner de l'argent ? Aujourd'hui, bon nombre des principaux distributeurs QNET ont passé des années à développer leur entreprise avant de réaliser un revenu significatif. C'est normal, car la vérité est que la vente directe n'est pas un effort pour devenir riche rapidement. N'oubliez pas que vous êtes responsable de votre propre entreprise. Numéro 4. Découvrez l'industrie et l'entreprise. Assurez-vous d'étudier l'industrie de la vente directe avant de prendre des décisions. Renseignez-vous sur sa croissance, ses tendances, ses employés performants, ses catégories de produits populaires et surtout les politiques de procédure de l'entreprise. Numéro 5. Soyez prêt à essuyer des rejets. La vente directe n'est pas pour tout le monde et ce n'est peut-être pas encore le bon moment. Regardons les choses en face. La vente directe est si souvent mal comprise à cause de la façon dont certaines personnes la représentent. Cela a entraîné un problème de perception pour l'industrie et ses acteurs. C'est pourquoi, lorsque vous démarrez votre entreprise QNET, assurez-vous de représenter vos produits et vos opportunités commerciales de la bonne manière. La seule façon de créer une entreprise prospère avec QNET est de garder l'esprit ouvert, d'apprendre et de s'adapter constamment, de s'engager avec l'entreprise et de faire les choses de la bonne manière. Bienvenue chez QNET, nous sommes ravis que vous soyez ici.